Salut à tous, c'est MythicDoute22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale car il s'agit d'un vlog. Très bien arrivé à Paris, Dieu merci. C'est une belle ville, moi j'adore l'architecture ici, c'est trop stylé. Petite aventure du soir. Direction maintenant ma prochaine destination, Strasbourg, où mon petit frère m'attendait. That's quite fascinating. Maintenant, direction Toulouse, avec mon frère où on a de bons vieux amis. À ce retour à Paris, je n'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai mangé et je suis sorti avec des amis et that's it. Je me suis mis en direction pour Niamey. Sauf qu'il m'est arrivé une dinguerie. Mais ça, je vous raconterai ça dans le prochain épisode. Salut à toutes, salut à tous, c'est MythicDoute22 du futur et bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog dans lequel nous irons à Niamey. Mais avant ça, je vais raconter la galère qui m'est arrivée à Paris. La veille de mon départ, je vais faire un test PCR, je sors avec mes amis et je rentre suffisamment tôt pour ne pas être fatigué le lendemain. Mon vol était à 10h30, donc mon plan c'était de me réveiller à 4h, de boucler un peu ma valise, de partir prendre une douche et à 5h30, 6h d'appeler un taxi. Parce que mon hôtel était à environ 1h de l'aéroport, donc je me disais j'allais arriver vers 7h et ensuite j'allais avoir quelque chose comme 2h30, 3h avant le début de l'embarquement. Donc je me disais c'est grave. Tranquille. J'arrive alors à l'aéroport tranquillement dans les coups de 7 heures parce qu'il y avait encore un peu d'embouteillage autour de l'aéroport, donc ça m'a un peu retardé, mais rien d'alarmant. Et je suis même rejoint par une de mes amies qui devait prendre le même vol que moi. Donc on dépose nos bagages et on demande aussi est-ce que c'est possible d'avoir des places à côté parce que c'est quand même plus fun de faire le voyage avec quelqu'un qu'on connaît. C'est environ 5 heures de vol, donc c'est cool. Donc on demande ça, mais malheureusement le vol était plein, donc c'était pas possible. Et on dit bon, c'est pas grave. Donc, après notre enregistrement, on rejoint la partie pour faire le check de sécurité. Et là, ça devient intéressant. Donc, on arrive devant la zone pour faire les checks de sécurité. Et là, on voit vraiment une marée de monde vraiment agglutiné au même endroit avec des queues vraiment qui vont dans tous les sens et qui sont super longues. CMB. Et là, on se dit merde. Qu'est-ce qui se passe? Et on se renseigne et on nous dit que non, en fait, il y a beaucoup de vols ce matin, que l'aéroport est plein et que toutes ces personnes allaient passer par les mêmes portes de sécurité. Là, on se dit, ok, on est dans la merde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On se met quand même dans la file et on commence à attendre. Arrivé à 9h, là, on se dit, bon, il reste environ 1h30 avant l'embarquement. Ça commence à sentir le roussi. On essaie de faire un peu des pieds et des mains pour pouvoir essayer d'avancer. Et on négocie aussi avec quelques personnes pour qu'ils nous laissent passer devant parce qu'on dit que regardez, il nous reste qu'une heure et tout. Il y a tout ce monde, est-ce qu'on peut passer devant vous, tout ça, tout ça. Et on profite aussi pour parler aux gens de l'aéroport et leur demander, hey, on fait quoi là? Et puis là, franchement, ils s'en foutaient, clairement, ils s'en foutaient. Et d'ailleurs, dans les queues là, on rencontrait vraiment des gens particuliers. Il y avait à la fois des gens qui avaient leur embarquement qui était en cours et qui étaient tranquillement sereins, posés, comme si de rien n'était. Et tu avais aussi d'autres qui avaient genre leur vol dans 6 heures. Frère, je sais pas si tu as réalisé, 6 heures. En tout cas, cette famille-là, vraiment, m'impressionné. Mais je suis sûr que si j'étais avec mes parents, clairement, j'allais arriver genre, je sais pas, 5 ou 6 heures avant le décollage et tout. Bref, vers 10 heures moins, là, on se dit c'est vraiment chaud. Ça va être mystique. On commence à parler avec les gens de l'aéroport et tout, et ils nous disent que les compagnies sont au courant du problème et que les vols vont être tous retardés. Que de ne pas vous inquiéter, quoi. Et là, petite lueur d'espoir, bien sûr, mais d'un côté de notre tête, on se dit, putain, c'est quand même chaud, hein. Voilà, et de combien ils vont augmenter le temps. À 10h, ils annoncent les retards et tout, et ils retardent genre de 20 minutes. Ouais, frère, 20 minutes. On va aller où avec 20 minutes, gars? On est même pas, on est je sais pas à combien de mètres de la porte. Il y a combien de gens entre nous? Et dites-vous que les queues, elles étaient vraiment genre en serpent, là. Elles étaient genre en S, en S, en S, en S, en S. C'était vraiment agglutiné comme ça. C'était pas genre des queues qui vont tout droit. Et il y avait je sais pas combien de centaines de personnes entre nous et les portes. Bref, c'était incroyable. Quand l'heure commence à se rapprocher et tout, là,
Ils annoncent qu'il y a d'autres portes de sécurité en fait qui vont s'ouvrir pour faire les checks avec les gens. Et là, on se dit, yes, encore une autre lueur d'espoir. Et là, ça commence à aller beaucoup plus vite. Là, vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la grosse distance, là, on a pris genre une heure à faire. Vraiment, en 10 minutes max, c'est en train de se libérer. Donc, c'est allé super vite. Quand c'était bientôt mon tour et le tour de mon ami, du coup, on s'est dit que vraiment, une fois qu'on passe le portique de sécurité, là, vraiment, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous, là. Parce qu'il y a des portiques qui vont un peu plus vite et tout. Et moi, en plus, je me balade vraiment avec énormément d'appareils électroniques, de batteries et tout. Donc, mon check est un peu plus long parce qu'ils font des checks d'explosifs et tout. Donc, j'ai dit à mon ami, chacun pour soi, Dieu pour tous. Juste trace si tu passes. Donc, bien sûr, mon ami, donc, elle est passée un peu plus tôt avant moi, genre, je dirais vraiment 2 minutes. Il y avait 2 minutes entre nous deux. Et là, vraiment, elle trace sa vie. Et juste après, je la suis. Et là, à ce moment-là, avec mon gros sac de touriste là, mon troller à la main, mes gars, j'ai tapé le meilleur sprint de toute ma vie. J'ai jamais couru aussi vite lesté. C'était fou là. Ah oui, Speedy Gonzalez les gars. Donc, je cours. Et là, j'arrive devant la porte. En plus, la porte, elle était mystique. Il y avait une sorte de descente qu'il fallait faire et tout. Elle était un peu cachée là. Donc, ça m'a même ralenti un peu. Et là, je vois mon ami en train de parler avec des gens au sol et d'autres personnes qui étaient en train de gueuler et tout. Elle venait en fait de voir le dernier bus partir et on ne l'a pas laissé le prendre. Et moi là, j'arrive complètement dépité, j'étais là, putain, mais c'est pas possible. En plus, je venais de courir ma vie et tout. Moi, je m'assieds comme ça et je commence à penser. Là, mon amie m'a même dit qu'elle avait peur que je mette à pleurer parce qu'elle savait pas comment réagir et tout. Mais anyways, moi, franchement, je me suis assis, j'étais mort de l'intérieur. J'étais là, putain, premier vol que je rate, en plus, c'est pas de ma faute et tout. Ça me faisait chier et tout parce que je savais dans ma tête que si jamais il y avait un autre vol, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. C'est sûrement après-demain, genre parce que Niamey, c'est toujours comme ça les vols de Air France. Donc là, c'était le lundi, donc j'étais là, putain, je suis dans la merde. Bref, donc on se lève, on prend notre courage à deux mains, on va au comptoir de Air France et là, on leur dit, ben les gars, c'est comment? Et là, bien sûr, c'était pas de notre faute. Donc, ils nous ont juste reprogrammé sur le prochain vol qui était du coup, effectivement, dans 2 jours. Là, j'ai fait le con parce que, attention, quand vous ratez un vol et que c'est pas de votre faute, en général, la compagnie est censée vous prendre l'hôtel. Et là, moi, j'ai même pas pensé à ça. J'étais comme, putain, où je vais dormir, où et tout. Mon amie, c'est pas trop grave pour elle parce qu'elle vit à Paris, donc elle a son appart et tout. Et là, vraiment, grosse dédicace et gros merci à sa sœur et à son mari qui m'ont accueilli le premier jour où j'étais à Paris. Parce que le soir même, du coup, j'ai dormi chez eux. Et le lendemain, j'ai pris un hôtel juste à côté de l'aéroport pour ne pas que ça m'arrive encore. Et vraiment être tout proche de l'aéroport. Donc, j'ai passé cette journée-là à Paris tranquillement. J'ai dormi chez eux. Et le lendemain, je suis allé à mon hôtel. Et là, vraiment, sans mentir, je pense que j'ai quitté l'hôtel vers 4 heures. Vraiment, j'ai pris la première navette là et je suis parti tracer directement à l'aéroport. Et ce qui a fait que j'avais passé tous les trucs de sécurité et que j'étais arrivé vraiment, sans blague, à 6h30 ou 6h50, je pense que j'étais déjà dans le terminal en fait. Pas devant ma porte exactement, mais dans le terminal. Donc vraiment, j'avais 3-4 heures comme ça, les pieds à l'air et tout, à l'aise comme ça dans le terminal. Vraiment, il n'y avait aucune chance que je rate le vol là. J'allais être le premier dans le putain d'avion. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et bien sûr, après ça, on a pu prendre notre vol. D'ailleurs, je pense que c'est le lendemain ou le jour d'après, je ne sais plus trop. On a reçu une notification de Air France qui disait que, attention, il y a des grèves qui arrivent à l'aéroport de Paris et tout, Charles de Gaulle. Et franchement, moi, quand j'y pense, je suis sûr que les grèves, là, ça avait commencé avant, en fait. Là, c'est un débat qu'on a avec mon amie. Parce que elle, pour elle, c'est la grève vient, genre, parce qu'ils ont annoncé, ils ont envoyé le message, et puis après, la grève allait arriver, genre, le lendemain. Et on n'aurait pas été là. Mais moi, je suis sûr que la grève, là, on l'a ressenti. J'en suis sûr et certain. Je suis sûr qu'il y a des gens, parce qu'en plus, je travaille, genre, vraiment dans des trucs de production. Et je vois très bien quand un élément ne fait pas son travail, commence à des enchaînements sur des chaînes et tout. Et franchement, je suis sûr à 100% que la grève, là, elle a commencé depuis longtemps. Et puis les mancos, ils étaient là, les pieds en l'air, et puis ils étaient là en train de chiller et tout, et tout, et tout. Bref, moi, je suis sûr que la grève, là, on l'a ressenti. J'en suis sûr et certain. C'est pas possible. On est quand même à Charles de Gaulle, frère. Charles de Gaulle, un aéroport international hyper grand. Il ne peut pas quand même se laisser avoir par genre plusieurs vols comme ça. C'est pas possible, j'en suis sûr que c'est pas possible.
Et du coup, je suis sûr que cette galère-là est due à ça. Bref, après ça, donc, on a pu prendre notre avion. Et ensuite, je peux le dire maintenant, on est parti au Niger. Les vacances sont finies. Direction Niamey. De retour à Niamey, il fait chaud, il fait 39 degrés actuellement. 39. Température ressentie, je pense qu'on va être à 40, donc c'est incroyable. Après être arrivé à Niamey, mon papa est venu me chercher et on est parti directement à la maison. Mais avant de rentrer, on s'est arrêté pour me reprendre une carte SIM. Et j'ai choisi Zamani Telecom qui était anciennement Orange, qui est le réseau que moi j'ai toujours eu. Même s'il est un peu plus cher que les autres, j'ai toujours trouvé que la différence de stabilité d'internet en valait quand même la peine. Et franchement, ce séjour m'a encore confirmé cela. Après ça, on est rentré à la maison et je me suis rappelé le plaisir que ça faisait de rentrer et de voir que le repas attendait sur la table. Oh là là, ça faisait tellement longtemps. Donc j'ai bien mangé mon poulet et mon bon copto, puis je suis allé chiller avec mon père. Mais je n'ai pas vraiment tardé avant d'aller me coucher parce que j'étais quand même assez fatigué. En même temps, après la galère que j'ai vécue à Paris, c'est un peu normal. Hey, on est finalement arrivé à Niamey, enfin. Je suis arrivé hier, je devais arriver le lundi, mais j'ai raté mon vol. Comme vous pouvez le constater, il fait super chaud, je sais pas si c'est combien de degrés actuellement. Hier quand je suis arrivé, il faisait 35, 37, mais les températures c'était genre presque 40, c'était 39. Donc une dinguerie. Actuellement je suis en train de griller, clairement. Différence avec ce qui se passe actuellement au-dessus de ma tête. Je suis luisant, je transpire. Hey gars, c'est chaud, hein. Voilà, il fait chaud. Mais en tout cas, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais essayer de filmer un maximum de choses, de filmer mon séjour, d'essayer de faire plusieurs plans de tout ce que je fais pour pouvoir à la fin faire un bon vlog en fait. Donc, ce vlog sera mixé avec
plein de plans où je vais vous parler comme ça, petit facecam et tout, ou et aussi avec beaucoup de voix off, parce que je vais essayer de faire plein de plans où je vais pas parler. Donc voilà. Bon, là clairement je suis en train de raconter ma vie, mais en gros ce que j'essaie d'expliquer, c'est que mon vlog, j'ai envie qu'il ait une sorte de côté un peu contemplatif en fait, et que la personne qui le regarde puisse vraiment s'imaginer qu'il est en train de voir en fait les images avec ses propres yeux. C'est pour ça que j'essaie de mettre pas mal de phases où juste je ne parle pas et il n'y a que des images en fait. Donc c'est ça, j'appelle ça un vlog contemplatif en fait. Mais je pense que j'ai aussi fait ça parce que au début j'étais pas trop à l'aise à prendre la caméra, mais vous allez voir, dans les prochains vlogs je suis un peu plus à l'aise à prendre la caméra et me filmer. Je pense que c'est une habitude qui se développe et au début je l'avais pas vraiment. Mais en tout cas, vous allez voir qu'au fil du temps, je commence à un peu plus la développer. Au niveau des équipements que j'ai apporté ma GoPro, j'ai apporté mon drone, j'ai apporté mon téléphone. Donc, ça va être carré. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup à toutes les personnes qui regarderont ce vlog. Et c'est parti. Alors, première sortie, je suis en train de remettre un colis à quelqu'un. Et franchement, ça me choque les routes. Les routes dans les quartiers, c'est des dingueries. Waouh! Eh, ça balance dans tous les sens. Je suis sûr, t'as beau avoir une voiture incroyable. Non, c'est pas une voiture super ouf. Je suis en train de prendre une Hyundai Tucson, je sais plus de quelle année. Peut-être 2012, 2013. Bref. Donc, ça secoue. Après ça, je suis rentré à la maison parce que j'avais un ami qui devait passer. Mais en attendant, j'ai mangé mon bon brabusco et ça faisait tellement longtemps. Vous allez voir que dans ce vlog, je n'ai pas énormément mangé dehors. Hein, parce qu'à la maison, il y avait le cuistot qui faisait les plats que je n'avais pas mangé depuis très longtemps. Du coup, très souvent, j'ai mangé à la maison en fait. Donc, j'ai pas pu sortir régulièrement en fait pour aller manger dehors. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous filmer quelques-uns des plats. Mais après, vous savez, voilà, j'ai perdu l'habitude. Après ça, mon pote est passé me prendre et on est parti sur un de ces chantiers à la rive droite. Pour ceux qui ne savent pas, Niamey est séparé en deux par le fleuve Niger. Et du coup, tu as la rive droite et tu as la rive gauche. Donc là, on partait à la rive droite. Et ça allait aussi me permettre de revoir un peu la ville parce que hier, j'étais arrivé à peu près au moment où le soleil se couchait. Donc, j'ai pas pu bien voir les changements. Mais en tout cas, là, je passe vraiment par l'artère, on va dire, principale de la ville de Niamey. Ce que moi, j'appelle le centre-ville, même si c'est pas vraiment un gros centre-ville. Et du coup, j'ai pu voir les nouveaux bâtiments, les nouveaux hôtels et tout ça et tout ça.
Après cette petite aventure, on s'est posé à La Cabane, qui est une sorte de petit restaurant slash zone de chill. Personnellement, j'avais déjà mangé, donc j'ai juste pris un jus de grenadine et on a causé du bon vieux temps. Après, mon pote devait partir en cours, donc il m'a déposé à la maison et moi, je me suis vraiment endormi comme une merde. Mais à 18h, je me suis fait réveiller par un autre de mes amis qui lui finissait ses cours et comme son université n'était pas loin de chez moi, bah, il est passé me faire un petit coucou. Et il m'a demandé est-ce que je voulais découvrir le nouveau spot pour manger du bon poisson à Tchéké à Niamey. Et je pense que pour ceux qui sont allés à Niamey récemment ou qui connaissent Niamey vraiment actuellement, vous savez déjà où est-ce qu'on va. Donc on s'est posé tranquillement dans cette petite, je dirais une gargote en fait, parce que c'est pas vraiment un restaurant, comme ça au bord de la route, et franchement le repas était magnifiquement bon. Là on pouvait voir les images, franchement c'était succulent, je recommande fortement. Je connais pas malheureusement le nom de l'endroit, mais en tout cas c'est en face de Orca, pour ceux qui connaissent un peu Niamey, donc juste vous allez en face de Orca et c'est directement devant. Donc on a du Tchéké, on a la sauce, en dessous on a un poisson. C'est quelle marque de poisson s'il vous plaît? Bon, le modèle, c'est quoi le modèle? Voilà, il s'est pas envie de manger. Et puis il y a le aloko, un peu de piment ici, et tout est carré dans l'axe. Après ce magnifique repas, on est parti se poser sur la terrasse du Bravia Hotel. Donc en gros, c'est une zone de chill que les jeunes Nigériens apprécient pas mal. Donc moi, je ne connaissais pas cet hôtel parce qu'il est sorti de terre quand je n'étais pas là. Donc voilà, je découvre avec vous en fait. Mais en tout cas, d'après ce que moi j'ai pu voir, le Bravia Hotel, c'est un très bel hôtel en fait. Je comprends pourquoi les gens le kiffent. La devanture est belle, la réception est belle, la cour arrière est belle. Je n'ai malheureusement pas vu les chambres, donc... Mais vu ce que j'ai vu, ça a l'air quand même pas mal. Après ça, j'ai déposé mon pote à Bassora chez lui et moi je suis rentré chez moi à Kouakano. Et c'est ce qui clôture mon premier jour à Niamey. J'ai pu voir des amis, j'ai pu sortir un peu, donc franchement, une bonne journée je pense. Le lendemain, vendredi, jour de Jumaa, j'ai reçu la visite d'un ami avec lequel j'ai passé vraiment toute la journée, à causer, à prier et à chiller le soir avec mon père. Une bonne journée calme et tranquille franchement, je n'ai rien fait d'autre. Et le soir, j'ai même profité pour monter mon skate. Et oui, parce que je suis venu avec mon skate. Aujourd'hui, on est le 20 novembre 2021 et il est 5h47, comme vous le constatez.
Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de choses à faire. Tout d'abord, là, pourquoi vous allez souvent vous demander, mais pourquoi tu te lèves à 5h47 alors que tu es en vacances? C'est parce qu'en fait, j'ai envie d'aller faire des plans au drone et filmer certains endroits, comme par exemple le lever du soleil et tout. Donc, le lever du soleil ici, aujourd'hui, apparemment, c'est à 6h52. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me trouver un petit spot, déposer ma GoPro, me filmer et en même temps filmer le soleil. Sortir mon drone également et puis faire de beaux plans. Après ça, je dois aller au cinéma et après on va se faire un petit resto et peut-être un petit club. On va voir ce que ça donne. Donc voilà le programme de la journée. Rien d'extraordinaire, on va dire. Mais en tout cas, ça va être bien, je l'espère. Maintenant, c'est parti! En sortant, il faisait encore nuit, mais on voyait bien que le jour n'allait pas tarder à se lever. Je suis parti en direction du troisième pont de Niamey, le pont Seine Kounché, dont l'achèvement s'était terminé en mon absence. Et pour ceux qui me connaissent un peu plus, bah en plus de la tech, j'aime bien la construction aussi. Donc j'avais bien envie de voir ce pont de plus près et de m'entraîner aussi à faire voler mon drone. Après quelques tours, j'ai remarqué une petite ouverture à droite du pont. J'ai décidé de l'emprunter et je ne suis pas déçu. Je venais de mettre la main sur un bon spot. Du coup, je m'y installe et je déploie mes affaires. Je vous laisse avec les images. Voilà, on va se dire maintenant au revoir, mais pas complètement. Parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis ce matin? Donc je me suis réveillé, j'ai prié, directement je suis venu pour filmer le lever du soleil, en tout cas en partie. Mais je n'ai pas pu filmer vraiment tout le lever du soleil parce que j'ai eu du mal à trouver un bon spot, tu vois. Et là franchement, ce spot-là, il est vraiment trop bien. Il est juste à côté du nouveau pont, le troisième pont en tout cas de Niamey, le pont Seine Kounché. Et franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait cet endroit là, mais en tout cas c'est carré. En tout cas j'ai kiffé faire voler le drone ici. J'ai fait de très beaux plans, je pense en tout cas, pour quelqu'un qui est novice dans le dronisme. Donc vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, pour la suite de cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs si vous vous demandez, mais attends, comment tu fais pour filmer et bouger en même temps? Eh bien c'est parce que j'ai recruté un cadreur. Et non, je mens, c'est grâce au DJI OM 4. Franchement, les marques devraient me sponsoriser. Ouais, bref. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va directement aller au cinéma. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, petit resto et après ce resto, petit club, potentiellement. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite partie. On se retrouve pour la suite après. La terre, c'est tellement un plaisir. Aujourd'hui au menu on a du yo sumbala avec petit poisson.
bonne app. Là, j'étais vraiment tranquillement posé en attendant les qualifications du Grand Prix du Qatar. Alors, comme promis les amis, là, on est en train d'aller au... Comment on appelle ? La Blue Zone. C'est là-bas qu'il y a le cinéma de Niamey. C'est un cinéma construit par Canal+, donc le groupe Bolloré, tout ça. Et voilà, voilà. Je pense que c'est le seul cinéma de Niamey actuellement. Et donc, ils ont vraiment pas mal de nouveautés en général. Donc, c'est parti. Le film qu'on était venu voir, c'était Les Éternels. Bien sûr, je le prononce en français parce qu'ici, on parle en français. Franchement, un film que j'ai trouvé pas mal intéressant, plutôt bon d'ailleurs, mais pas incroyable. Et j'ai bien envie d'avoir un peu votre avis, du coup, dites-le-moi en commentaire si vous l'avez vu. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé quand même assez bon. Mais pas incroyable, je précise bien, pas incroyable. Après ça, je suis tranquillement rentré à la maison me préparer pour ressortir. Alors les amis, comme promis, donc on va aller se faire un petit resto et ensuite peut-être on va continuer notre soirée. Et voilà, donc c'est ça le programme de reste de la journée et c'est parti. Le restaurant dans lequel on voulait aller se trouvait au dernier étage du Radisson Blu. C'est le Zaxi, un restaurant apparemment réputé pour la qualité de ses sushis et sa magnifique vue sur, entre guillemets, le centre-ville de Niamey. Une fois dans l'hôtel, on est donc monté au dernier étage. Mais malheureusement, une fois qu'on est arrivé, on nous a prévenu que la cuisine fermait bientôt, donc on n'aurait pas le temps de manger. Mais au moins, on a un peu profité de la vue pour faire quelques petites photos. Mais j'ai pas fait de belles photos malheureusement. On s'est donc rabattu sur l'autre restaurant en fait du Radisson, c'est le New York, qui lui est situé au rez-de-chaussée. Bien sûr, comme vous l'aurez deviné, son thème c'est vraiment la ville de New York en fait. Et franchement, dans ce restaurant, j'ai bu vraiment le milkshake le plus dégueulasse de toute ma vie. Il n'y avait aucun shake dans cette affaire-là. Mais c'est pas possible. Franchement, dégoûté, dégoûté. Regardez un peu l'image là. Ça n'a pas l'air dégueulasse, s'il vous plaît. Après ça, on a fini la soirée dans un très bon club, le Diams.
Mais on ne terminera pas la soirée dans ce club-là, parce que mon ami voulait voir s'il y avait plus d'ambiance dans un autre club, et vu que lui, il a des relations, bah, on est parti au level. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va souvent en club. Là même, j'ai voulu y aller parce que j'étais comme, ouais, je suis en vacances et j'ai bien envie de, au moins une fois dans mon vlog, mettre que ouais, on est parti en club, donc j'ai décidé d'y aller. Mais d'ailleurs, j'ai plus jamais remis les pieds. Donc voilà, je vais au front pour vous. Donc lâchez un like, merci. À 5h30 exténué, j'ai décidé de rentrer à la maison pour bien dormir. Parce qu'après tout, les vacances, c'est fait pour se reposer quand même. Le lendemain, je me suis réveillé tranquillement avec le meilleur des petits déjeuners. Le bon massa avec du miel. Et oui, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Aïe, aïe, aïe. Yo, là on est dimanche 21 novembre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je t'en vais aller. Aujourd'hui, ce sera chill. Hein. On va juste aller faire des visites familiales. Et c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire aujourd'hui. Bon, pour le constater, je suis encore fatigué de la veille. Et voilà. Ouais. Je suis rentré à 3h30 environ. Assez tôt quand même. Mais j'étais réveillé à 5h pour pouvoir aller faire mes plans. Du coup, presque 24 heures sans dormir. Ça commence à piquer, les séances sont bien présentes. Ce sera un petit dimanche tranquillement tranquille. On va aller voir la famille, on va aller voir le monde que je n'ai pas pu voir en 3 ans. Et c'est ça. Donc c'est tout. Je vais vous montrer d'abord mon petit déjeuner. Donc aujourd'hui au petit déjeuner, tranquillement, on a du masa. Si vous ne connaissez pas, c'est les petites galettes là. Vous mangez ça en général avec du piment. Ouh. Mon favori, un peu de miel. Ça, c'est du miel 100% naturel, chacun. On peut le constater, c'est réel. Et voilà, petit massa, petit piment, petit miel, quotidien d'un artiste. Qui dit dimanche dit Grand Prix. Et là, c'est le Grand Prix du Qatar. Et magnifiquement gagné par Sir Lewis Hamilton. Et franchement, une victoire qui avait fait vraiment beaucoup plaisir. Yo, alors, aujourd'hui, fin du dimanche 21 novembre. Franchement, une journée très, 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 très plaisante. J'ai vu beaucoup de ma famille, en fait. Et franchement, c'était génial. Honnêtement, on a pris des photos et tout. Donc, franchement, c'était trop cool. C'est trop cool. Mais tu vois, j'ai rien fait d'intéressant niveau activité et tout pour vous. Donc, j'ai pas vraiment fait beaucoup de contenu. J'ai fait pas mal de plans en ville et tout. Je vous les aurai sûrement insérés dans la vidéo. Mais en tout cas, pas grand chose de ouf. Et qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hier, je voulais de tourner l'outro. Quand je suis rentré, j'étais complètement fatigué. Parce que faut savoir, je suis rentré genre à 3h30. Parce que la veille, je m'étais réveillé à 5h pour aller faire ma petite vidéo du soleil, lever du soleil et tout. Et du pont. Donc, c'est normal que je sois autant fatigué, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, bah, je suis rentré, j'ai mangé encore une fois et j'ai dormi. D'ailleurs, mon père est venu me surprendre au salon parce que j'étais couché comme un schlag. Voilà, et j'ai mangé. Et tu connais, rentre plein nègre content, nègre qui a envie de dormir, frère. J'ai dormi comme une... Je me suis même pas rendu compte à quel moment je me suis endormi. Je suis en train de regarder la rediffusion, je pense, des qualifications sur truc là, sur je sais plus c'est quel canal. Et en tout cas, j'ai regardé ça et je me suis endormi dedans. C'était n'importe quoi. Bref, tout ça pour vous dire que voilà pourquoi j'ai pas tourné d'outro pour l'autre journée, donc la journée du 20. Et donc là, bah, je tourne cette outro. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette partie de la vidéo. On se retrouve plus tard, soit dans une autre vidéo, soit dans quelques secondes en fait. Donc voilà, peace. Hey, bonjour les amis. Aujourd'hui, on est le
lundi 22 novembre 2021. Et aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il est 7h je crois, 7h10, 7h20, je sais plus. Et on va aller faire un peu de skate, parce que j'ai ramené mon skate et parce que le stade est un bon endroit pour faire du skate. Donc je vais aller en faire un peu. Faut savoir que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait du skate, en tout cas pendant longtemps, parce que je m'étais fait mal au genou et faire du skate ça me faisait super mal en fait. Et donc voilà, maintenant ça va être la petite reprise. Avant même de venir à Niamey, j'avais comme recommencé à en faire un peu parce que j'avais acheté une paire de chaussures avec une semelle un peu plus épaisse, ce qui faisait que ça amortissait un peu plus les chocs et du coup ça me faisait pas mal. En tout cas, pendant des courtes sessions, quand je fais de longues sessions, ça fait encore un peu mal, j'avoue. En tout cas, là on va voir que ça donne. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'avais mal au genou, en fait, c'est parce que j'étais tombé. Et oui, le skate c'est dangereux quand même. Bon, c'est vrai que même le premier jour où j'ai commencé à faire du skate, je me suis blessé. Et ça m'a coûté beaucoup d'argent d'ailleurs. Bref. Donc, on va aller faire du skate et le reste de la journée, bah, on verra. Je vous dirai ce qu'on fera. Si on fait des trucs intéressants, sinon, bah, vous aurez que ça. Donc, voilà. Alors, là, on est arrivé au stade. J'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste en fait m'entraîner à faire des ollies parce que ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. J'ai jamais vraiment maîtrisé la figure en fait. Vu que là je suis en vacances, bah, je vais profiter pour pratiquer ça. Donc on va voir si ça donne. Salut les amis, je suis désolé, je suis tout transpirant, je viens de finir de faire ma petite session. Franchement, j'ai perdu mon ollie, mais je suis plutôt content. Plutôt content d'avoir au moins pu en rentrer quelques-uns. Comme par hasard, la plupart, je les rentrais quand ma caméra était éteinte. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Je reviendrai sûrement une autre fois pour continuer à pratiquer ça le temps que je suis en vacances. Alors, sinon, j'avais envie en fait de filmer le stade avec mon drone et tout, mais apparemment, je n'ai pas le droit. Il faut demander une autorisation spéciale au registre à vire. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et la prochaine fois que je viens, bah, je vais tourner. Je vais faire ma petite vidéo et tout. Donc ici, ils m'ont dit d'écrire une lettre comme quoi j'ai envie de filmer le stade et pour quelles raisons et qui je suis aussi. Ah, moi je suis personne, moi je dis c'est pour des fins personnelles, hein. Parce que voilà, parce que c'est ça en vrai. Donc c'est ça, c'est ça. Donc plutôt bien fait, bonne session de skate. En plus ça fait du sport, j'en avais besoin. Et en plus de ça, on sait maintenant comment filmer le stade. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Ça me fait un peu chier honnêtement qu'on doive demander une autorisation parce que moi j'avais envie de le faire tout de suite là. Et donc il faut déposer et après bah espérer. C'est ça. Voilà voilà. Je sais pas pourquoi. Ma peau réagit plutôt bien à la météo ici, mais mes lèvres là, elles sont un PLS frère.
Car comment elles sont sèches. J'ai même du peur de gravité fatiguée, mais ça marche pas. Bon, bref, je m'égare. Ah, waouh. Dégueulasse. Bon, bah voilà, on continue notre journée. Là, je vais aller tester la boulangerie qui s'appelle Raoudala. Et voilà, voilà, voilà. Parce que la boulangerie Raouda, c'est juste à côté. Ok? Donc, on va faire ça. Alors, là on est de retour de Raouda. J'ai mon petit stock. D'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'on continue à utiliser des sachets. Hein, parce que la ville est pleine de sachets. Donc, on devrait vraiment utiliser des sacs recyclables. Surtout à la boulangerie. À la boulangerie, tu vois, si tu prends un sac recyclable, si tu prends, c'est pas si lourd que ça. Donc, un sac, ça suffit. Pas la peine de mettre dans un sachet bleu. Hein, j'ai pris celui-là comme exemple, mais la prochaine fois, c'est sûr que je n'en prendrai pas. Hein. Et surtout parce que nous, à la maison, je sais qu'on est, on garde les sachets, on les rejette pas, on va dire, dans la nature, tu vois. Donc, faites attention aux sachets. À Raouda, franchement, je me suis mis bien. Hein. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pris ici? Oh, man. Ok, donc j'ai pris un pain au chocolat, un croissant, tranquillement. Ensuite, il faut savoir que je vous ai pris des prix juste ici. Donc, le petit pain au chocolat, c'est 450. Le petit croissant, c'est 350. C'est pas donné, hein, quand même. Moi, j'ai pris tout ça pour pouvoir tester et si je saurais lesquels je prendrai prochainement. Le petit pain au raisin, le petit pain au raisin, il coûte 450 aussi. Et enfin, ici, on devrait avoir un chausson aux pommes. Non, d'abord, il y a un friand. Le friand, il coûte 600 francs. Normal qu'il coûte aussi cher parce qu'il y a de la viande dedans. C'est quand même pas mal cher. Hein. Et on a un chausson encore ici qui coûte lui 600 aussi. Il y a de la pomme, ok, d'accord. Et en tout cas, donc on a un total de 2450 francs. C'est pas donné. C'est vraiment pas donné, mais j'espère que c'est bon. Alors, je viens de manger une petite partie. J'ai mangé une partie du croissant, une partie du chausson aux pommes et une partie du friand. Honnêtement, c'est ok, mais la pâte est trop épaisse, frère. C'est trop. Que ce soit le friand, que ce soit le chausson aux pommes, que ce soit le poisson, on dit que la pâte est trop compacte. Quoi. C'est trop, c'est trop, c'est trop lourd en fait. Du coup, ça fait que au niveau du goût, t'as rapidement une sorte de pâte dans la bouche, donc c'est pas la folie quoi. Donc c'est ça. Sinon c'est bon, je dirais, mais pas trop épaisse, vraiment trop épaisse. Le chausson aux pommes en plus, tu manges la moitié, t'es même pas encore arrivé à la partie où il y a vraiment de la pomme, tu vois. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et surtout vu le prix, c'est pas donné, hein, donc il faut être critique, clairement. Donc je donnerais peut-être en tout, franchement, 6. Parce que c'est pas la folie, franchement, honnêtement. Il faut savoir que je suis quelqu'un, je suis pas du tout difficile. Hein. Niveau alimentation, la caille, frère, moi, je mange tout. En tout cas, là, quand je regarde le prix et quand je regarde vraiment le produit à la fin, je trouve que c'est pas la folie, franchement. Et de, en tout cas, il faut qu'il se calme un peu sur la pâte. C'est trop compact, quoi. Donc voilà. Après avoir mangé, je me suis endormi comme une grosse merde, comme d'habitude. Vous savez, moi, là, je suis très sensible au food coma. Ah oui. Si moi je suis fatigué, si je mange là, je m'endors. Il n'y a pas de midi à 14h là, vraiment c'est direct. À mon réveil, je suis sorti avec des amis pour aller dans un petit restaurant appelé le Palais du Shawarma, qui a pour bien sûr spécialité le shawarma, bien sûr. Ça, on est au Palais du Shawarma. C'est un lieu que je ne connais même pas en fait. Donc on va tester. Alors... bien quand même. Je suis avec deux potes. Hop. Tout ça c'est Nasser. Comment ça c'est Nasser, il a fait assez des bruits. Nasser est bon, non? Farida, elle est là, dalle seulement.
Non, en gros, en fait, on a commandé deux shawarma poulet et deux shawarma viande, c'est ça? Et maintenant, apparemment, on doit deviner lequel, lesquels sont lesquels. Donc, c'est un peu mystique, quoi. Faites bino, bino, bino. Bino, bino, bino. Bino, chocolat. Et... voilà poulet, voilà viande. Voilà poulet, voilà viande. Encore, je ne sais pas. Ah, là, si vous mangez deux viandes de poulet, c'est un peu problème. Vas-y. Moi, je dis que ça, c'est viande. Ok. Et je vais tester. Ok. Vas-y. C'est viande. Dis voilà. Fais nous voir. C'est rien de poulet, hein. C'est poulet? Non, c'est poulet chacal. Attends. Voilà, c'est poulet, frère. Elle n'arrive pas à reconnaître la viande du le poulet. Et là là. Bon, à mon tour. Moi, je vais aller au niveau du poids. Que du poids. Il est con cet enfant. Ça c'est viande. C'est poulet. Voilà, c'est poulet chacun. I'm soup they know all like. Attends, quoi que. Non, c'est poulet, frère. Non, c'est poulet. Ouais, c'est poulet. Au palais des shawarma, on a aussi un joy, vraiment un bon milkshake. Et vraiment, petite dédicace au propriétaire. Son milkshake est magnifique. Parce que c'est lui-même qui le fait, en fait. Et en parlant de milkshake, il y a mes amis, du coup, qui m'ont parlé d'un endroit, en fait, où on faisait des milkshakes aussi. Et moi, c'est un endroit que j'avais vu dans pas mal de stories aussi de gens. Et donc, juste après ça, en fait, j'ai dit, bah, on va y aller, en fait. Donc, on est parti. Et là, vous pouvez voir les images et tout. Franchement, moi, quand je voyais le gars faire son milkshake et tout, je me disais, ouais, ça va être pas mal, ça va être pas mal et tout. Franchement, j'étais déçu. Déçu, c'était pas bon, frère. Voilà, c'était pas bon. Pour ceux qui cherchent un peu la zone géographique de où c'est sur Maurice Delens, vers l'ancien siège de Orange, je dirais. En tout cas, là, je vous mets une carte où je ping vraiment le bon endroit. Mais en tout cas, vraiment... Niveau milkshake les plus dégueulasses de ma vie, celui-là va en deuxième position, juste derrière le milkshake du New York. Mais en tout cas, c'était vraiment pas bon, frère. Après ça, j'ai ramené mes amis chez eux et je suis rentré me coucher. Le lendemain, je suis retourné au New York avec une amie. Mais cette fois, j'ai pris juste un dessert et un bissa. Et là, on va parler du bissa. Et oui, parce que le cheesecake, franchement, il était bon. J'ai plutôt bien aimé, franchement. Un peu compact, mais vous savez, moi, j'aime quand c'est compact, quoi. Mon ami, par contre, n'avait pas trop aimé le cheesecake. Elle disait que c'était trop compact, justement. Moi, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Mais par contre, le bissa, moi, je ne l'ai pas trouvé bon, frère. Je sais pas, à New York, ils ont quoi avec les boissons, mais le bissa, là, était aigre. Je pense qu'on pouvait récupérer des toilettes. Avec tellement ça décapait le truc là. Ah! Bah quand j'étais en PLS après, je pensais que j'avais le Covid. Bon, j'exagère, mais en tout cas, c'était pas bon. Et c'est important de dire quand les choses ne sont pas bonnes. Tout comme c'est important de dire quand c'est bon. Et là, franchement, c'était pas bon. À part le cheesecake. Yo, les potes, c'est comment? Aujourd'hui, on est le 25, je crois. Donc mercredi 25 novembre 2020 et là je suis en train d'aller prendre un billet pour aller au Burkina et je pense que j'en avais déjà parlé au début. Donc j'allais au Burkina, excusez, il y a quelqu'un, c'est juste que là on est dans les embouteillages, du coup je profite pour faire cette petite introduction. Donc j'allais prendre le billet et le vol devrait être pour dimanche et je serai de retour le samedi suivant, le 4 décembre Inch'Allah. Et voilà, voilà. Bon, j'ai mon billet maintenant.
Voilà, acheté mon petit shampoing là. Il fait chaud. Très chaud. Petit update, billet pris. Maintenant, il fait chaud. Hein. Wow, je pense que je vais rentrer direct à la maison. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. J'ai pris mon shampoing. Yeah, c'est cher, hein. 2500 francs. En plus, c'est pas celui que je voulais. Quel 2500? 3500, je crois. Transfer complete. Donc, c'est vraiment très peu. Mais bon, on n'a pas le choix. Bon, maintenant, je pense que je vais rentrer à la maison. Je voulais faire des plans au drone, mais... Car je rentre à la maison, je suis fatigué. Hey, comment je transfère? J'ai marché un peu. Hein. La dinguerie. Mais bon, dans la voiture, il doit faire au moins 40 degrés. Hein, parce que là, dehors, il fait 30 et quelques. Donc, voilà, voilà. Après avoir bien clamé au soleil, je suis rentré chez moi, parce qu'après on devait partir au Cap Banga avec des amis. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cap, en fait le Cap c'est une petite île au milieu du fleuve Niger, et il y a une sorte de petit restaurant dessus. Un restaurant super cher by the way, mais en tout cas c'est un très bon spot, je vous laisse avec les images. On est resté au Cap quand même pas mal de temps, jusqu'à la tombée de la nuit comme vous pouvez le constater. Ensuite, on est parti se faire un petit restaurant avant de se lâcher. Le lendemain, on est parti dans un restaurant et là, c'était le Umi, un restaurant asiatique. Là, vous allez vous dire, mais tu vas à des restaurants et tout. Mais en gros, à Niamey, il n'y a pas grand chose à faire à part vraiment voir ses amis et puis aller manger en vrai. Les activités à faire, il n'y en a pas tellement. Il y en a plusieurs en fait que je n'ai même pas pu faire parce que le contexte, on va dire, vraiment sécuritaire ne s'y prêtait pas. Du coup, il y avait des choses qu'on disait de ne pas faire en fait. Comme par exemple, aller aux collines et tout ça là, sortir de la ville et tout. Donc ça, on n'avait pas vraiment le droit. Donc sinon, je vous aurais bien amené au parc W, un grand
parc avec plein d'animaux ou bien voir des girafes. Mais malheureusement, pas pu faire ça. Mais ça donne peut-être l'idée pour des prochains vlogs. Et oui, on n'a pas fini de découvrir Niamey. Mais bon, bref, revenons sur le humi. Donc, au humi, moi, j'aime bien le sucré salé. Donc, j'ai vu un plat qui m'intéressait pas mal. C'était du poulet avec de l'ananas. Et franchement, c'était une erreur. Parce que le poulet n'était pas bien cuit. Le riz n'était pas bien cuit. J'ai pas trouvé ça bon, en vrai. Vraiment pas. Par contre, un truc sur lequel le humi sont vraiment forts, c'est les sushis. Franchement, leurs sushis, ils étaient très bons. Et franchement, je recommande. C'est un peu cher. J'en veux pas vraiment des tarifs, mais en tout cas, j'ai trouvé que... en relativisant, en mettant vraiment ça au niveau du Niger, j'ai trouvé ça quand même assez cher, mais pas aberrant non plus. Mais au niveau de la qualité, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bon. Donc, je recommande quand même leur sushi. Et oui, toujours dire quand c'est bon et quand c'est pas bon. Par contre, leur plat, poulet, ananas façon là, ça là, je recommande pas du tout. Après ça, comme je suis vraiment un glouton, j'ai rejoint des amis au parc Ouarakanou, juste derrière chez moi, et on a mangé du bon boudin. En tout cas, moi déjà j'ai pris du boudin avec du bissap. Là, le bissap, il était succulent, pas comme celui du putain de New York là. Après ça, je suis rentré à la maison car le lendemain, une grosse journée m'attendait. Vu que je devais me préparer pour aller au Burkina. Donc, test PCR, coiffure et d'autres petites courses comme ça. Mais tout ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Voilà, ce qui nous amène donc à la fin de la première partie de mon vlog sur Niamey. Merci beaucoup de l'avoir regardé et abonnez-vous. Parce qu'il y a vraiment encore pas mal de choses qui arrivent. Vu que après le Burkina, je reviens à Niamey. Donc, je vis encore quelques aventures. Et après ça, on va à Difa puis à Chetimari. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de contenu qui arrive sur ce voyage là. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cela. Voilà, c'est qui nous amène donc à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir regardé. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.